Ah, le jeu a aspiré notre âme, hein, bien sûr. Le jeu a aspiré notre âme pendant la période caniculaire que nous connaissons. Donc, on continue évidemment cette aventure de fou furieux. Et let's go. Pour ceux qui aiment le tennis, à 15h, il y a la finale du Queens et de Halle, notamment avec Medvedev et Ursak du côté de Halle. De Halle. Grand tournoi pré-Wimbledon, Halle. Donc là, on se fait petite session jusqu'à 15h, Assassin's Creed, pépère. Après avoir débris cette échappée de fou furieux, bien sûr. Regarde-les, ces traîtres. Quand je pense au nombre de fois où j'ai dû supporter les grands... 15h, tournoi MK. Non, moi, je fais pas le tournoi MK. Je ne fais pas le tournoi Mario Kart, les amis. Ma foi, vous êtes un homme de principe, Capitaine Hornigold. Un homme auquel je pense pouvoir confier mes meilleures idées. Patience, on survivra à ça, Charles, sans perdre la face. Eh bien, quelle assurance. Tu m'as l'air d'avoir ton idée sur ce qu'on doit faire. Nassau est fini, on n'y peut plus rien. On doit filer d'ici ce soir, on se retrouvera à mon campement. Ça me va, qu'est-ce que t'as prévu? Les Anglais ont débarqué leur matériel là-bas. Si on leur vole suffisamment de poudre et de poids, on pourra les charger dans un navire avant de l'envoyer sur les vaisseaux du blocus, pour les réduire en miettes. Ouais. On prendra le navire de Rackham. Il a jamais su s'en servir. Il est bourré de façon. Je ne vais pas te contredire. Bon. Toi, tu vas voler la poudre. Excusez-moi, j'ai un petit souci, faut que je change la catégorie du stream. Hop. Ah, t'as déjà fait, pardon, j'avais pas vu. My bad. Merci beaucoup la modération, ouais, je sais pas si vous étiez là. M'occupe de la poids. Allez. Ah, j'ai mal au cou, j'ai mal au cervical ce matin. Pas pourquoi, je pense que j'étais crispé sur le vélo de piste et du coup j'étais tellement tendu que... Oh. En fait, j'ai pas mal au cul, j'ai mal au cou. Je sais pas comment ça se fait. Vous aussi, vous avez mal au cou quand vous faites du vélo? Bizarre, hein? Oh. Non, bah c'est moi, alors. Il faut qu'on vole des barils de poudre. Ok. Ce matin, horreur de streamer. Non, mais ce matin, j'avais déjà mal et ça se couche. Ah merde, je peux avoir de la. Pardon. Au secours. Je me casse, pardon. Aïe. Allez, Zou. Ça dégage, la racaille. Voilà. Regarde, je suis du nombre. Non, mais pourquoi il a... Allez, les problèmes. La discrétion encore, hein. Aïe. Voilà. Encore la discrétion. Je suis une ombre, il ne me voit pas, je suis une ombre. Où est le baril de poudre? Ok, on en a volé un. Je suis une ombre, il ne me voit pas, je suis une fougère. Je suis une fougère. Ça va être apaisé et attention dans le cou. Ouais, mais parce que je pense que j'ai dû... Je pense que j'étais trop crispé sur les trapèzes hier pendant la piste, quand on faisait du vélo sur piste, parce que en vrai, j'essayais de tenir très fort mon guidon, alors qu'il faut pas faire ça, mais bon. Un peu l'appréhension de la pente et voilà quoi, donc voilà le résultat. Merde, mais j'arrive pas à être précis, c'est insupportable. Il va déclencher l'alarme et tout l'enfer, moi je vais me casser. Hein. En fait ils sont tellement, c'est trop, je me casse. Allez Zou, je vais dans un autre endroit. Je me casse. Ils sont trop nombreux.
Eh battez-vous les gars. J'ai un autre spot. J'ai essayé de jouer le clavier le plus précis. Non, j'ai jamais. Mais non, mais je suis pas au bon endroit encore, pardon. Pardon, je suis. Y'a que des zones rouges en fait ici, c'est insupportable. Non, j'ai jamais joué à Assassin's Creed clavier souris. Moi, c'est des jeux qui sont pensés pour la manette en vrai. Qu'est-ce que je fais là? Oh là, il y a du monde. Oh là là, oh là là. Oh là là, le monde. Oh là là. Oh là là, le bordel. Oh là là. Oh la catastrophe. Alors les bouffons. Oh là là, oh là là, oh là là. Oh l'ambiance. Oh là là, mais le monde qu'ils ont. Oh, mais c'est trop. Oh, c'est finito là. Oh, poursuivi en bas des blocs. Oh là là, c'est horrible. Finito pipo. Finito pipo. Voilà. Caché. Oh là là, mais quel enfer. Le gangbang, c'était tellement dans ce... J'ai vu des gens dans un trou. Mais je suis vraiment pas très discret, quoi. Hop là, voilà. Attends que le niveau d'attention rebaisse un petit peu, là. Nickel. Voilà, ça mange pas de pain. Non, mais ça va, faire un petit briton comme ça, ça mange pas de pain. Voilà. Si je descends par là, là. Et je lui demande de venir. Ah, il veut pas venir lui hein. Voilà. En fait, j'aurais dû passer par cette entrée depuis le début en vrai. À chaque fois que qu'il tombe devant, je te jure. Tu dois remettre ton armure, non, t'as pas beaucoup de barres de santé. Oui oui, je sais qu'il faut que je l'améliore, faudrait que j'aille pêcher et tout machin, mais... On était plus sur l'amélioration du bateau. Le bateau était bien amélioré mais pas encore le... Pas encore les tenues. Merci beaucoup Jude, merci pour le 19e mois d'abonnement. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour le soutien, c'est très cool. 19 mois d'abonnement, incroyable bien sûr. Merci, merci beaucoup. Merci à toi. Attendez, je me cache là. Merci beaucoup Nutmosis, merci pour le 7e mois d'abonnement aussi. Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup Nudmosis aussi, vous êtes quasiment à 1151, merci beaucoup. Mais quoi? Mais comment ça, ça a pas fonctionné? Mais je l'avais. Oh mais quel enfer. Discrétion, toujours.
faire. Ok. C'est bon. Discrétion. Merci beaucoup Isaniel, merci pour le Prime et merci pour le train de la hype. Mais quoi? Mais qu'est-ce qu'il veut lui? Oh le relou là. Allez viens là. Mais non, mais qu'est-ce qu'il veut lui encore l'alarme? Voilà. Mais c'est bon, ça a fonctionné. Bon, ça fonctionne, on l'a eu. Il n'y a aucun témoin. Allez, c'est bon. Il n'y a pas de témoin. Il s'affaque, c'est nous. C'est bon, il s'affaque, c'est nous. On peut aller au prochain truc ici. Oh, le vide, putain. Oh là là, j'ai pas vu. Oh la dingue, j'ai cru qu'on y alliait pas. Oh le grand vide. Oh ça aurait été le grand saut en avant. Non mais la discrétion encore. C'est nul, je suis vraiment trop nul en discrétion quoi, c'est... J'ai forcé après, je suis arrivé bien en tête là. Voilà les zous. Il est relou lui hein. Voilà. Okay, vous kiffez le gameplay assassin full discrétion et tout ou pas en vrai? C'est cool hein. Voilà. C'est Splinter. Eh, c'est Metal Gear Solid ou quoi là? Je me comprends pas bien. Mais putain, mais. Oh là là, mais quel enfer le jeu qui veut pas me donner le. Qui fait bipi. Oh, avec les deux qui te captent en haut là, c'est l'enfer. Ok, let's go, très bien. Et là, ça veut maintenant. Mes ancêtres auraient dû être moins gentils avec les Anglais après. Souvent. Utiliser les fléchades de Scarbacane sur les gardes. Ah, j'aurais peut-être pu utiliser les fléchades de Scarbacane, c'est vrai. Non, mais en vrai, c'était moins marrant. C'était moins marrant si on utilisait les fléchettes de Scarbacane en vrai, en vrai. Attendez, mais je vais faire un truc peut-être, c'est que... Je vais peut-être aller récupérer un... Il y avait un point de... Peut-être que je vais quand même utiliser le point de vision là pour aller synchroniser, j'aurais dû en profiter. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta... Ok. Ce que j'avais oublié, j'avais pas pris le point de synchro, donc voilà. Oh là 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 là. Ah, en vrai, c'est agréable. Là. Heureusement, la température est tombée là cette nuit, ça fait trop du bien. Il faisait si chaud les derniers jours là, c'est un truc de fou. Et là, cette nuit, c'est tombé, mais instantanément. Il y a eu un peu d'orage et tout là, mais. Oh le plaisir quoi.
Merci beaucoup, Return of Isis, tous les Prime. Merci beaucoup, merci le train live, bien sûr qu'il continue. Hein, si vous avez des Prime, messieurs, dames, surtout n'hésitez pas, on réveille ces Prime. Dommage de laisser des Prime dormir parce qu'il y a des créateurs qui pourront en profiter. Merci beaucoup. Sur quelle plateforme pour une qualité comme ça? C'est PC. Sur PC, on est sur ordinateur. Sur personal computer, si tu veux la définition exacte. Je joue sur mon personal computer. Hier, faisait 33 degrés dans mon appartement, donc oui, c'est plutôt content là. Ouais, c'était clair. Hier, c'était. Moi, je sortais dans la rue hier et je me tentais. J'étais mais crasseux quoi. J'étais mais. Il fait tellement chaud. Où est-ce que je peux me rafraîchir? C'est traîné. C'est ce maudit chanvre. Lieutenant! Chut. À vos ordres. Le Commodore craint qu'une révolte n'éclate. Nous avons ordre de couler chaque maudit bateau pirate qui mouille dans ce port, ce soir. On va désobéir au gouverneur? Je vous ai donné un ordre, soldat. Vous allez prendre position sur le galion et attendre les instructions du Commodore. Suis-je clair? Aye, sir. Quelle charogne du bas monde. Quelqu'un devrait aller gorger ce Commodore avant qu'il puisse transmettre ses ordres. Tu es sérieux? Merci beaucoup, Vince. Merci pour le cinquième mois. Ici. Merci beaucoup. D'accord, je m'en occupe. Merci pour le Prime. Du fou. Je vais pas vous aider à tuer le Commodore, pas un des hommes du roi. Aïe, ta gueule. On va pas tenter la fortune. Vas-y, je bouge pas d'ici. Ta-ta-la-ta-ta-ta-la-la. Tu veux les gardes. Ouais, chier. En fait, je suis nul en infiltration, mais par contre, pour suivre de manière discrète, je suis assez fort en vrai. Merci beaucoup, Docteur Gilou. Merci pour le Prime. Merci beaucoup, ça réveille ses Prime, ça régale. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup, c'est très cool. Merci pour le soutien, ça fait très plaisir. Rogers et Chamberlain n'ont pas l'air de beaucoup s'aimer. Tu sais pourquoi? Le Commodore ne porte pas les civils dans son cœur. Rogers a une sorte de jacobite. Ou pire, on dit qu'il est contrôlé. Il existe pire que ça. Arrêtez ces deux hommes là-bas. Non. Ouais, trop chaud pour... Oh là là, trop chaud pour faire la discret... Oh là là. Bah ouais, mais il y a tout le monde qui rapplique aussi là. Trop... Putain, mais... Je suis trop bien pour suivre discrètement les gens. Mais il y a trop d'anglais, il y a trop de britons là. Il y a trop de britons. Merci beaucoup GeoGeo, merci pour le prime. Ah ouais, trop de britons. Oh là là, on n'en peut plus de ces gens-là. Trop de buveurs de thé, là. Merci beaucoup, GeoGeo, merci pour le prime. La chasse, ça me donne envie de jouer à Assassin's Creed 4, mais à quoi bon si la place... Venez regarder ici, c'est vrai. Moi aussi, ça me donne envie. Alors lui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se prendre une petite sarbacane. Trop loin. Alors, on crée un peu de Discord là-bas, c'est parfait. Voilà, 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 voilà. Merci beaucoup, Evozan. Merci pour les 100 bits. Les 200 bits. Merci beaucoup, le train de live qui continue à être alimenté. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'on peut passer au niveau 3, messieurs dames, à 20 secondes? Alors peut-être. Tellement d'anglais, c'est grave. Hein.
Ils veulent quoi en fait, eux? Ils sont relous. Merci beaucoup, Sivel. Merci pour l'abonnement offert. Oh là là, c'est grave, hein. Il y a trop d'ennemis en fait. L'enfer. Oh, le plaquage de l'anglais là, punaise, good game. Trop de britons en fait, c'est fastidieux cette infiltration, hein. Elle est fastidieuse, mais on va y arriver. Tout va bien. Pourquoi il ressort? Mais... il est ressorti, je comprends pas. Très bien, allez rapidement. Je vais pas le ressortir, il est ressorti du tas de paille. Mais pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Il est con. Hop là. J'aurais pas dû les siffler. Non, j'aurais pas dû les siffler, l'erreur. Voilà. Et l'autre. Totale discrétion. Ouh, j'ai grid sur le sifflement et au final c'est bien passé. Allez. Tuer le Commodore Chamberlain. C'est lui, c'est... Ah. Il est dans le bateau. Oh là là, faut qu'on aille jusqu'au bateau. On va faire. Par la bosse. La voie semble toute tracée. Yep. Gardez en mémoire notre objectif. On est là pour trouver la coque de tous ces monstres. Mais pourquoi c'est qui mouille dans le port? Pas facile de monter des fois au cordage. Si vous doutez de l'honneur de notre pôtre, mais... il m'a désobéi sans vos ordres de ce jacques le gouverneur pour retourner. On va passer par là. Ouais, mais il est énorme son navire, what the fuck? Le navire est énorme. Oh mais c'est gargantuesque. C'est un immeuble. C'était la meilleure idée de passer par le haut là. On va voir. J'ai pas tant que ça de place pour... You.
que je peux descendre par là, par exemple? Et oui, il se rattrape là. Il fait le tour en plus, l'âne, le bougre d'âne là. Il descend encore. Regarde, je descends là. Il va repasser là, boum. Bim bam boum. Allez, reviens là. Fais le tour. Il a fait le tour tout à l'heure. Regarde-le là. Allez, on de Commodore. Aïe, le gouverneur nous a accordé un pardon, Commodore. Et voilà. N'as-tu aucun respect? Et pour voilà. La vérole obscurcit ta raison. Pourquoi se démener à sauver de telles crapules? Vous êtes des parasites, vous vivez sur le dos des gens honnêtes. Je vous trouve dur. On prend exemple sur le roi Georges, rien de plus. Garde ta place, paysan. Tu m'as peut-être ôté la vie, mais tu te trompes si tu crois que la tienne en sera meilleure. As-tu encore quelque chose à ajouter? Sans ce païen de gouverneur Rogers, je t'aurais fait pendre à tes propres mains, espèce de larve. Ton heure arrive. L'ambiance est un peu délétère quand même. L'ambiance est très délétère même, je dirais. Ça, c'est signé rien contre Chamberlain. Bon, on a que tué deux gardes. Bonjour. Et bah maintenant fuyons. Au revoir. Oh, le plaquage. Non, 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 laissez-moi. C'est moi les Britons. Voilà. Et quoi? J'y vais. Il est fou. Mais fuis. On court. Ils peuvent pas nager. Les Anglais savent pas nager, c'est le problème. Fuyons. Courage, fuyons. Ah bah oui, je peux le contourner, c'est plus simple. Allez, courage, fillon. Allez, zou. Bon, Commodore, c'est fait. Mais Commodore, c'est marrant, c'est... C'est quoi comme genre de titre? C'est amiral, quoi, Commodore, c'est... Commodore. C'est une sorte de... Le terme de Commodore. Commodore dans la Royal Navy, attendez. Commodore. Le grade de Commodore est un grade d'officier de la Royal Navy, marine militaire du Royaume-Uni. Selon les équivalences de l'OTAN, c'est un officier OF6. Il a son équivalent avec le brigadier de la British Army ou l'Air Commodore de la Royal Air Force. Ok, ouais. Et du coup, c'est quoi la hiérarchie du... Ah, c'est en fait, en gros, t'as capitaine, Commodore... Rear amiral, garde officier du Royal Navy, t'as vice-amiral, et après t'as amiral. Après t'as amiral de la flotte, qui est le plus grand, qui est le plus haut truc. C'est quoi le truc le plus bas? C'est midshipman, ok. T'as sub-lieutenant, lieutenant, ok. Donc Commodore, c'est ok tier, quoi, c'est 6 sur 10. C'est après le capitaine de vaisseau. Exactement, Just B, j'espère que tu vas bien. Comment il va le petit Just B là? Là que tu vois que ce jeu est vraiment codé avec les pieds, le chemin d'escape est tellement visible, c'est littéralement dessus, mais ton perso préfère taper son meilleur plongeon. Ouais, mais bon, si tu veux, c'est comme ça, c'est comme ça. Oui, des fois, c'est un peu, enfin, codé avec les pieds. Il y a des fois où, le jeu comprend que tu veux aller là, mais des fois, il a un petit peu du mal à le capter. Mais tu sens qu'il galère un peu, mais bon, c'est pas grave. Ça va et toi? Ça va bien? Ça va, ça va. Allez, go! Allez, go! Allez, go! Allez, go le lavabo! Donc ça, c'est bien. Bon, j'espère qu'on va pouvoir booter les Anglais en dehors de la ville, parce que bon, là, ils sont quand même beaucoup, là, à Nassau. Hein. C'est quand même un peu trop. Est-ce que tu as fait Assassin's Creed Syndicate? Non, ça fait partie de l'un des seuls Assassin's Creed que j'ai pas fait, Syndicate, malheureusement. Et on me dit que c'est un peu dans les mêmes vibes
que Black Flag, que ça ressemble beaucoup, que l'histoire est même un peu plus intéressante en réalité. Le problème de Syndicate, c'est qu'il passait vraiment comme un... Je sais pas trop pourquoi je peux faire Syndicate au final. Odor, c'est contre Amiral en gros, ouais c'est ça. Tu comprends avec Rogue. Ah pardon, non, c'est Rogue qui ressemble beaucoup au jeu. Non, je vais avec Syndicate. On m'a dit que Syndicate c'était pas fou. On m'a dit que Syndicate c'était pas fou. On m'a dit que Rogue c'était pas mal par contre. T'es pas encore prêt? Presque. On a un problème avec le galion à cause de quelques... malédictions. Tu choisis de fumer ici, crétin? On est assis sur suffisamment de poudre pour réduire New Providence en miettes. Lâche-moi, malade. Tu m'as assez cogné. Edward, il fume sur des barils de poudre. De bien. S'est installé sur notre galion. Va falloir les déloger avant d'utiliser les canons contre le blocus. Donc là, on va, là, il faut qu'on pète le blocus, très bien. Faut qu'on pète le blocus anglais. Sacrée tunique rouge. Sale rouge. Sale rouge. Maintiens-le à flot. Pardon, j'ai raté le coup, pardon. Pardon, j'ai misclic, pardon. Oh ho 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 na 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 na. Oh ho 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 na 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 na. Na 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 na. Oh le manoir, oh là là l'enfer là-bas. Un tir bien ajusté. Freinez la balle. Il est vulnérable à cet endroit. Il reste plein de blancs. Capitaine, on peut bien passer à cet endroit. Ok, nickel. Je reviens de l'autre côté. Ok. Oh 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 la 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 la. Ok, attendez, je suis là-bas. Les premiers lives, je les ai suivis avec l'équipe Ponce et Ultia. Bah oui, bien sûr, époque Sea of Thieves, tout ça, bien sûr. Époque pirate. Trop bien Sea of Thieves avec Ponce et Ultia. Oh, ils sont loin. Me dépêche, me dépêche, me dépêche. C'est là qu'il est le plus vulnérable. Canon paré, capitaine. On a vraiment des petits bateaux hein, devant nous, mais... Ah, mais il est dans mon angle mort, il est dans mon angle mort. Voilà. Il reste que des planches. Ne les laisse pas le couler. Sinon, tout est perdu. Il tire sur nous. Ok. Une proie facile. Tous là, il ira par le bas. Ils sont beaucoup d'anglais, hein. On fait au plus vite. Là, capitaine, il était là qu'il faut viser. Je sais même pas où le bateau, là. Oh, il va vers l'enfer. Allez go. Reste près du navire, maintiens-le à flot. Attention, il va exploser. Éloigne-nous d'ici. Où j'aille là? On est passé. Oh le brûlot. Et on sera hors de danger. Oh c'est le blocus. Des manoirs ou des frégates? Ok. Il y a deux frégates, allez. Allez.
peut le couler lui si on veut hein. Allez, on fuit. Fuyons. Allez, ciao les bouffons. Ciao les britons. Allez, salut les buveurs de thé. Ça va les tenir occupés. Brûlez, bande de chiens. Colle-toi ton pardon au cul, gouverneur. Croire qu'ils viennent de faire une prise. JJ. J'adore les bateaux et éclatent en 3 ou 4 tirs tandis que le tien a du mal à prendre une quarantaine de boulets. Parce que le mien est amélioré, c'est pour ça. Parce que le mien est juste trop puissant. Pensez quoi de MHR UBB? Bah je pense que c'était un bon match, je suis un peu déçu que le MHR... Enfin, j'aurais bien aimé que l'UBB se passe parce que j'aurais bien aimé une finale avec l'UBB dedans. Mais c'est une finale, on va dire, inattendue, donc why not, intéressant. Salut, kid. T'as manqué une belle flambée. Ouais. Dommage pour Nassau. Et Barbe Noire a quitté le navire. On va s'occuper de ça. Bateau américain, quoi. Oui, horrible. Ben est parti le voir. Merci beaucoup, Benaga. Merci pour le 18e mois. Merci pour l'abonnement. C'est tout ce qu'il reste de votre expérience démocratique? Ouais. On fait ce qui nous plaît ici. On le fait en prenant notre temps. Nom de Dieu, Edward. Il y a vraiment que l'odeur de l'or qui te titille le nez. Hé, hey, quelle mouche t'a piqué? La réalité, mon ami. La réalité. Ne te laisse pas entraîner dans le sillage de ce rat décadent. Oh! J'ai survécu plus longtemps que la plupart de mes semblables. Les autres sont morts, quoi. Ça se passe dans quel siècle? On est en 1715, je crois. Qu'est-ce que c'est ça? Oh, ah, mais j'avais oublié qu'on avait un truc avec une maison, un truc comme ça. Ah, mais j'avais complètement zappé ça. What? On a une demeure à un moment donné? Mais non, j'avais zappé ça de fou. Et j'avais complètement zappé qu'on avait un truc avec une demeure et machin. Je me sens toujours pas chez moi. Eh, on peut l'améliorer et tout? Mais non, la dingue. Ah, j'ai acheté, ok. Il manque encore un petit quelque chose. Projeter une tour au manoir, rénover... Ah mais oui, mais du coup... Ah, je l'ai acheté 5000 pièces d'or, du coup, le manoir, là. Na 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 na. Goodbye, fairly well. On a maintenant des routes vers le Portugal qui sont disponibles, incroyable. Il y a quoi comme mission de dispo? Hop, je vais faire une petite... est-ce qu'on fait une petite bataille navale? Que des manoirs en face. Oh what the fuck bro. Il y a frégate, il y a deux manoirs, une frégate. Oh la dingue. Putain, il y a full manoir. Ça devient dangereux là. Hein. Ok, attends, on va récupérer la flotte.
Un prêcheur à la frégate. Et bah voilà, c'est bien passé là. Voilà, comme ça la route sera plus... sera moins dangereuse, on va dire. Elle sera plus accessible. Ta la ta ta la ta ta la ta ta. Goodbye, failure. Voilà, comme ça sera un peu plus tranquille. On sera un peu plus au calme. Voilà, ça me régale. Et ben voilà. Donc là, on a une mission qui est envoyée là-bas. Une mission ici. Ah, vite tempête. La chemise royale. Hop, on envoie sur des grosses missions pour nous rapporter de la thune. D'ailleurs, je vais réparer des bateaux peut-être aussi. Je sais pas si je peux. Réparer le navire. Là ça va, celui-là ça va. Voilà, on va le réparer, le Santa Ana. On commence à avoir une belle flotte hein, au final. Hein. Elle est bien balèze et tout, ça régale. C'est trop bien. Qu'est-ce que c'est que ça? Du coup on a une maison, mais j'avais zappé mais complètement ce passage du jeu hein. On avait une maison à un moment donné. J'avais zap-zoup mais cette histoire fort. Comme quoi on pense qu'on a de la mémoire mais en fait on oublie vite. On n'est pas SDF finalement, ouais c'est ça. On n'est pas... ouais ça on oublie vite hein. Et donc on peut... Donc j'imagine qu'on va pouvoir... Mais c'était que ça ressemble vraiment beaucoup à la zone que tu pouvais avoir sur... Il va falloir de l'argent pour le chantier naval, capitaine. Plus vite j'aurai cet or, plus tôt nos navires régneront sur les mers. C'est combien? C'est 500, ça va. Ça va, 500 is ok. Ça faisait beaucoup penser à ce qu'on avait aussi sur Assassin's Creed 3. Mais du coup, on peut améliorer le port de ouf. Capitaine Galloway, t'es au bon endroit. Je vais pas tourner autour du pot, capitaine. Il me faudrait un peu d'argent pour ouvrir boutique. Je te revendrai ça, et une échoppe te fournirait bien des marchandises utiles. 700, magasin général, ok. Hop là, comme ça, un petit general store. C'est bien, on développe un peu le commerce, c'est bien. Tu peux me prêter l'oreille un moment? On n'a pas d'endroit où les hommes peuvent boire et courir la gueuse. Si j'avais un peu d'or, courir la gueuse. J'ouvrirais une taverne comme celle de Bristol, avec assez de rhum pour satisfaire le plus assoiffé des matelots. Pour courir la gueuse, bien sûr. Qui aime courir la gueuse ici? Tu fais la fierté du vieux loup de mer que je suis, capitaine. Et t'en tireras profit, je te le jure. Ah, très bien. Diable m'emporte si je tiens pas parole. Est-ce qu'il y en a qui aiment courir la gueuse ici, là, dans le chat, là? La phrase. Y'en a qui courent la gueuse ici dans le chat? Un mot lupanard quoi, bien sûr. Dis capitaine, si on faisait un grand feu de joie sur la plage, les gars seraient plus heureux s'ils avaient un endroit où s'amuser, se détendre. Tu me suis? C'est quoi ça? 7000. L'amélioration permet d'engager gratuitement des groupes de pirates ivres. Et bah voilà, un petit groupe de pirates ivres. 7000 balles, bah allez, boum. Là-haut, c'est quoi? Putain, mais on peut vraiment faire une énorme ville de pirates, là, c'est bien ça. Un bon capitaine doit prendre soin de ses hommes. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Les marins sont un peu mécontents qu'il n'y ait pas de femmes pour les réconforter à bord. Ah. Je sais où en trouver, mais leur place n'est pas sur un bateau. Il veut qu'on achète un bordel, quoi. Bien sûr. 15 000. Eh bah, punaise, ça coûte cher hein, d'avoir un endroit où courir la gueuse, dis donc. 15 000 rayons. Eh bah, et ça se fait plaisir, hein, bravo.
J'avais déjà l'impression d'avoir déjà payé pour ça. Bien sûr, respect aux TDS, aux travailleuses du sexe, mais... Mais 15 000 reales quand même Non, faut du matos de pro pour courir la gueuse, c'est vrai. C'est de la gueuse de luxe. C'est de la gueuse. Pas de la gueuse, c'est de la gueuse. C'est de la gueuse. Ah, c'est bien, on a pu quand même pas mal améliorer le... Ça! Excusez-moi, ça a pu quand même bien améliorer le repère, c'est bien. La gueuse avec un dollar à la place du S. Ok, tout va bien. Les genoux sont respectés. Elle est où notre quête là du coup? Notre future quête, elle est où? Oh, elle est tout au nord. Oh la dingue. La moitié part en budget parfum parce que, bon, à l'époque, les bains, c'était pas tous les jours. Ah bah, c'était pas tous les jours, hein. Ça, c'est vrai que les... Ça a changé un peu, quoi. Oh là là, mais cassez-vous, les Espagnols, là. Oh là là, les chouneurs, là, c'est bon. C'est par pur plaisir. Des trucs sympas, plus tu as de l'argent, plus tu as des coffres remplis d'or dans les sous-sols de ton domaine. Ah, sympa. Et donc moins t'en as, moins t'as d'or rempli. Forcément, vous me direz. Ça semble logique, ça va dans les deux sens. Il y a une musique bizarre qui vient de se déclencher là. C'est quoi la musique qui vient de se déclencher là? Oh là, oh là, oh là, oh là. Pourquoi est-ce qu'on va à l'extrême nord de la carte comme ça, il y a un truc particulier? Il me pose la question. Attention à l'air de croisière, ah, il y a une tempête. Vite tempête, comme dirait le Fennec. On nous avait dit les Caraïbes, nanani nanana. Nanani nanana. Oui, les Caraïbes, le soleil, les plages de sable fin, les cocotiers, les tropiques, on savait, hein, mais bon, quand même. Hein. On est où, là? On est dans un autre repère. Tu nous as lâchement abandonnés. Ah, c'est là, truc de Thatch. Il est mieux demeurer ici, à ce qu'il dit. Qu'il crève. Et que tous ceux qui suivront ce chien galeux dans l'oubli finissent pendus. Cette pourriture. Je sais que t'es venu me ramener au bercail, Kenway. Ta fidélité t'honore. Mais après ce qui s'est passé à Nassau, je sens que je suis fini. Je partage pas ton avis, Ed.
Mais je te reprocherai pas de voir les choses en face. Tu es toujours à la recherche de ce sage ? Ouais. Il y a un mois, en faisant une prise, j'ai appris qu'un homme du nom de Roberts travaillait sur un navire négrier. Le Princess. Tu pourrais chercher par là. Le Princess. Merci, Satch. Merci pour l'info, bros. Nom d'un chien, tu vas pas rester planté là comme un hareng. C'est ma retraite qu'on célèbre. Débouche donc, mon petit déjeuner. Ah, débouche-moi, sale. Voilà. Garde-nous quelques bouteilles. Il me voit de super loin. Tiens. Tâche égale barbe noire. Oui, c'est barbe noire, ouais. Tout à fait. C'est effectivement barbe noire. L'homme avec ses 5 ou 6 fusils à la ceinture. Qui se faisait brûler des mèches incandescentes sur le chapeau pour faire peur à ses ennemis. C'est lui. C'est lui-même. J'ai été découvert, il y avait un autre. Merde. Il y a un remaster du jeu ? Non, pas du tout, c'est la version d'il y a 9 ans. Il est beau, hein ? En vrai, pour un jeu qui date d'il y a 9 ans. Il y avait un déserteur parmi eux, et il s'est souvenu de ma trône. Il a tranché le gossier avant qu'il ait pu dire. Aussi beau que toi, oh, t'es ni arrête. Quelqu'un t'a vu ? Pas grand chose qui échappe. Harry, t'as déjà cassé le pot de fleurs une fois ? Ah ! Après, elle va s'allonger à côté là. Putain, ça m'a fait super peur. Ça m'a fait super peur que la. Là. Oui, mais bon. Les bêtises de clac-clac, quoi, putain. Il peut pas s'en empêcher. Il a bien vu qu'on parle au premier. Ah, après, il est casse le quatrième, quoi. Qu'est-ce que tu sais sur la plage ? Une belle assemblée de soudards, trop sous pour tenir debout. Voilà qui fait notre affaire. Parle-moi un peu d'Edward Teach. Quel genre d'homme est-il ? C'est Satch, monsieur. Du moins. Edward Teach. Il répond, mais il est complètement fou. Il n'y a pas plus dément que lui. Regarde ce type, sois précis. Oui, monsieur. Satch aime la boisson, mais pas n'importe laquelle. Lorsqu'il prend un rum flip, il rajoute une bonne dose de poudre à canon sur le dessus. Ai-je bien entendu ? Il boit de la poudre à canon, Ice. Il boit de la poudre à canon, le mec. Vous savez ce qu'il a fait la semaine dernière ? Je crois que c'était vrai, cette histoire. Je crois qu'elle est vraie, en plus, d'anecdote. C'est la légende de Barbe Noire qui buvait de la poudre à canon. Et d'autres minéraux écœurants. On est resté assis là comme dans l'une des fosses de l'enfer. Grand Dieu ! À moi. Grand Dieu ! C'est rien. Il aime mettre son équipage à l'épreuve. Y'a rien. Dans quel coin ces hommes sont coriaces. Mais. Personne n'est aussi coriace que lui. J'ai bien cru y laisser la vie, misérable sauvage.
Ne craignez rien, soldat. Nous allons en finir avec eux. Allez, c'est le moment. Vite, envoyez le signal. Et souvenez-vous à jamais de ce jour. Par l'enfer. Aïe, 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 les problèmes. Aïe, aïe, aïe. Ah oui, ils sont beaucoup quand même. Ah, au secours. Bah, du coup, là, je voulais la laisser, non? Alors, du coup, il y a grosse bataille. Grosse bataille navale, là, du coup. Allez, grosse battle navale. C'est quoi, c'est. Oh, le manoir. Bon, c'est bon, là? T'as fini de faire tout tomber? Eh! Bon, je vais arrêter, hein. Oh, on va le tomber, lui, je vous le dis tout de suite, hein. Allez, on va voir le manoir. Allez. Allez, Zou. Allez, on aborde ça. Quel jeu de fou. Allez, l'abordage. Yeah. Voilà, allez, boum. Voilà. Vraiment, le système de contre, il est simple, mais il est tellement jouissif, du coup. Tu t'enchaînes les mecs. Allez, Zou. Alors voilà, quand il n'y a pas de discrétion, c'est quand même vachement mieux, quoi. Non, mais non. Pour les 500 bits, salut, merci beaucoup, c'est très cool. Merci beaucoup, c'est énorme. Oh no way, bro. Non, il est mort, non. Où est le Jackdaw? J'ai déjà fait, mais j'avais oublié ça de ouf. Oh non. Laissez-nous tranquille. Il est pas mort. C'est pas vrai. Arrêtez. Allez vous faire foutre, les Anglais! Allez vous faire voir! Salaud! Sus aux Britons! Ils savent, capitaine.
Capitaine. Il boit en compagnie du diable. Oh non. Œil de la déesse, capitaine. Oh, c'est dur quand même. Batavia ? Parle de salade, Batavia ? Oh, on est d'humeur joueuse aujourd'hui, hein, mademoiselle Clarisse, là. Humeur joueuse et un peu casseuse aussi. Oui, 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 on a tout cassé. On vous voit venir, mademoiselle Clarisse, on vous voit venir, on vous connaît. On connaît vos agissements. On connaît vos manières de procéder. Appuyez sur les boutons partout, à tout casser tout le temps, là. Je suis en train de faire Assassin's Creed Odyssey, mais je crois que juste après, je vais refaire Black Flag, c'est sûr. Mais vas-y, Odyssey, c'est trop bien aussi. Tu vas kiffer. Et je vois tellement de gens qui sont surpris d'être en mode « Mais le jeu est si beau et tout, 9 ans après, machin. » Les gens pensent que c'est un remaster, mais pas du tout. Hein. C'est vraiment le jeu de base. Hein. Vraiment, ça reste une petite pépite. Ah, c'est des jeux qui vieillissent bien. Qu'est-ce que t'as dans la bouche, toi ? Tu m'as pris une touche de mon clavier. Elle mange des touches de mon clavier. Ça va pas du tout. C'est... Non, mais non, mais c'est des touches de clavier, les enlève pas. Elle est folle. C'est vrai que je me rends compte que, mais pourtant je me souviens bien que quand Black Flag était sorti à l'époque, je voyais beaucoup de gens, de potes autour de moi qui disaient « Ah j'aime pas Black Flag et tout par rapport à Assassin's Creed », mais maintenant en fait le temps a passé et en fait tout le monde kiffe ce jeu. Genre j'ai pas vu de gens en mode « Ah c'est vraiment pas un de mes Assassin's Creed préférés », tout le monde kiffe Black Flag. Peut-être une personne dans le chat, mais sur toutes les personnes qui sont venues en mode « Non Black Flag c'est trop bien, le jeu incroyable ». Oh bah oui, mais les... Putain. Ça c'est l'espagnol, ils savent pas conduire ça. Voilà. Craignez-moi. Craignez-moi. Terreur des mers. J'aurais pu les aborder pour me réparer en vrai. Ta 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 la 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 la. Qu'est-ce que tu fais avec la clé encore ? Frégate niveau 23, ça nous régale. J'ai envie de faire de la mission, genre j'ai pas trop envie de... Je suis magnanime, j'ai pas trop envie d'aborder des bateaux. Je me demande à quel point est-ce que la serbacane a été une arme utilisée ou non par les... on va dire, qui était utilisée par des peuples amérindiens. Mais je me demande à quel point est-ce que c'est une arme qui a prouvé grâce aux yeux d'occidentaux. À quel point est-ce qu'elle a été adaptée, changée ou pas du tout pour les occidentaux, et à quel point elle a été utilisée ou non. Et yeah. Yeah.
Pour Evenzit, comptes-tu faire une autre aventure en Prosaki Manager? Ouais, Nico Jamar, à partir de la semaine prochaine. La semaine prochaine, mardi, aventure PCM. J'ai vu juste. De base, Sabacane, c'est pas plus pour tuer une petite gibier pour les gens. Je sais pas à quel point ça a été utilisé après. Mais en fait, je me demande surtout à quel point est-ce que c'est une arme qui a été utilisée après, quoi. Enfin, c'est ça. Parce que nous, du coup, là, on l'utilise dans le jeu. Mais à quel point est-ce que tu vois des coureurs canadiens ou des... Non, ça existe pas trop au Canada, ça, Sabacane. C'est plus en Amérique centrale, Amérique du Sud. J'ai mal à mon compte. Un Amérindien est habitant d'autochtone d'Amérique, natif d'Amérique ou première nation américaine. Ouais, je suis désolé, mais en fait, les termes changent à chaque fois. Avant, on disait Indien. Après, on disait Indien d'Amérique. Bref, il fallait dire Amérindien. Et maintenant, il faut rechanger. C'est vrai qu'on change beaucoup de dénomination à chaque fois. Alors ça, tu t'es fait saigner. Fais chier. Ils étaient trop nombreux. J'ai rien pu faire. Faut reconnaître qu'il savait se battre, mais son cœur était partagé. C'est dur de renoncer à la vie qu'on a aimée. Ouais. Mon idiot de père passait sa vie à se vanter. Il allait s'acheter son propre navire. Je vais prendre un contrat de corsaire, Charlie. Ton vieux père deviendra capitaine. Il s'est noyé dans le whisky sans jamais quitter le rivage. Aïe, aïe, aïe. Alors, Kenway, j'ai bien réfléchi à ta petite affaire, cet observatoire dont tu ne cesses de parler, t'es certain qu'il existe? Tu cherches un négrier baptisé le Princess. À bord se trouve un homme appelé Roberts. Il nous y conduira. Tous ces négriers travaillent pour la Compagnie Royale d'Afrique. Prends un de leurs navires, on en saura davantage. Cap, Capitaine. On cherche un navire négrier. Un de ceux qui travaillent pour la Compagnie Royale d'Afrique. T'as pas l'intention de te lancer dans le trafic d'humains, hein? Dieu a dit. Je croyais que tu me connaissais mieux que ça. On cherche des informations, c'est tout. Je veux savoir où mouille le Princess quand il ne navigue pas. Le Princess. Bizarre. Le DLC Assassin's Creed Black Flag où tu deviens négrier et tu fais du commerce triangulaire. Bizarre l'ambiance. T'as de bonnes chances de trouver le sage à son bord. Tu commences à faire du commerce triangulaire, tu gères des esclaves et tout, tu te fais de l'argent avec... la misère humaine. Le changement d'ambiance directe de Assassin's Creed. Ah ok, bizarre, l'ambiance. Il a de bonnes dents. Il faut que vous arriviez à trouver les meilleurs esclaves possibles. Lequel a les meilleures dents? Lequel est le plus musclé? Ah bah, super, super l'ambiance. Cet animal ne pouvait pas s'en tenir à ce qu'on avait dit. Le but c'est de faire un maximum d'argent le plus vite possible quoi, de s'enrichir. Ok, super. Il est trop lent pour que je le récupère lui. Et ça on est full en termes d'équipage, on n'a pas de place, on n'a pas de place, on n'a pas de place, on n'a pas de place bro, on n'a pas de place bro. On est tellement full en termes d'équipage, on a tellement de monde à bord au final. Après on s'en rend pas trop compte, c'est dommage que sur le pont, il n'y ait pas de plus en plus de monde. Ça aurait été cool que tu sais au fur et à mesure que tu ajoutes des gens dans ton équipage, tu vois vraiment qu'il y ait de plus en plus de gens sur le bateau, à être, je sais pas, dans les cordages. Affairés autour des canons, à sortir de la cale, ça aurait été cool aussi. Dans le DLC, tu fais exactement l'inverse. Bah, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Vaut mieux. Vaut mieux, quand même. Localiser le navire de la Compagnie Royale d'Afrique. Okay.
Là. Ils ont pris peur, capitaine. Le négrier est en fuite. Ah, c'est le négrier, ça. Je vais nous rapprocher. Voilà son point faible, sœur. Il ne pourrait rien faire contre nous. Maudit soit sauvé. Il envoie bordée sur bordée. Il va le couler s'il continue comme ça. Il faut s'approcher. Oh, mais il est relou l'autre là. Ah, nous aussi on envoie bordée sur bordée, tu me diras. Allez, on lui envoie les chaînes. Vous les chaînez. Ça ne fait pas beaucoup de dégâts. Hein. Les gars, s'il nous touche de nouveau, on va couler. Ah bah voilà. Tout le monde à bord et en vitesse. Ah mais pourquoi lui il va couler? Il était à deux doigts de couler, j'avais pas vu. Bordel, le navire, il est où le navire? Oh, j'ai pas de défense. Oh là là, mais c'est l'enfer parce que. Oh là là, j'ai pas de. Il va falloir que je répare le navire avec parce que là, on a plus rien en vie là. Ah, on aborde, allez, let's go! À l'attaque! Allez, allez, mon capitaine! Allez, mon capitaine! Et le fer en plus de poids que les cris et les insultes prennent. J'en ai plus qu'à cette douceur. Trouvez le capitaine. Voilà. Voilà. Ah, les Espagnols quoi. Pourquoi c'est le arme de la compagnie royale, c'est des Espagnols, je comprends pas. On est censé aborder un capitaine, le princesse royale, transite régulièrement par Kingston. Très bien. C'est là qu'on met le cap. Vous avez mis en pièces mes voiles et mon gréement, bande de gredins. Vous me devez une part. Oh, mon dieu, Ben! Oh, Charles! Tu n'es qu'un démon sans cœur. Les deux qui s'arrêtent pas de se chipper. J'ai emmerdé ma vocation. Charles! Les gars! Vous voyez? Les gars et moi, on a discuté pendant que vous perdiez votre temps. Et ils ont trouvé que je ferais un meilleur capitaine qu'une meute de chiens fous. Je te jure que tu finiras castré, sale traître! Ah d'accord, donc lui il trahit ce bâtard. Je devrais bien en tirer 10 livres à Kingston, mais avec des ivrognes de votre calibre, je préfère prendre aucun risque. Tu regretteras cette journée, Rackham. Il trahit ce gros bâtard. Ligotez-les! Qu'on les abandonne. Bah non, mais il va nous laisser sur une île. Oh le salaud, le salaud, le salaud. Je vais t'étriper, Jack Rackham. Je vais t'ouvrir en deux, je vais te sortir tous les boyaux, et je vais en faire des cordes de lutte. Tu peux. Du coup, on s'est fait mutiner. Ferme ta gueule. Oh bah tiens, le redoutable Edward Kenway a parlé. Mais dis-nous un peu, capitaine, quelle issue tu vois à ce désagrément? Et surtout, par quel génie tu comptes conduire un bateau sans voile et sans gouvernail? Tu vas la fermer. Il nous abandonne sur le bateau cassé, quoi, l'enfer. Quel dommage.
prochaine mission avec... Et qu'est-ce qu'on va faire les prochaines fois? Une mission avec... On va faire des cordes avec le poil de notre dos. Je suis allé sur le dos d'une tortue. Ah bah la vie de capitaine elle est un peu chahutée quoi, on va pas se le cacher que c'est un peu plus compliqué. Il a mangé ça comme ça? Il le cuit même pas? Ne bouge plus! Donne-moi ta jolie petite récolte. Pauvre minable. Cette île manque pas de nourriture si tu prends la peine d'en chercher. Mais je cherche, larbin! Et je viens te trouver. Il veut quoi, Gollum? Essaie pas de me suivre! T'entends? Essaie pas de me retrouver! Tu es pitoyable. Il est vraiment perdu lui. Où est Vayne? Il est vraiment à côté de ses pompes hein. Assassin's Creed to Far Cry Primal. Far Cry Primal. Le jeu avait un peu bidé au final, non? Il voulait faire un Far Cry dans un univers préhistorique. Je sais pas si le jeu avait vraiment plu au final. L'idée était pas dégueulasse, mais bon. Je pense pas que ça avait tenté. Ouais. De première opinion de ma condition. Ces petites lettres abandonnées dans l'eau comme ça là. Et je vais monter en haut du mât. Je peux monter là. C'est bon. Renzi, merci par vous pour ta perte d'hier. Merci beaucoup, c'est très gentil. Merci, merci d'être machu. Elle est meilleure que les dernières Far Cry de l'homme. En fait, le problème de Far Cry, c'est que c'est une formule qui se renouvelle pas vraiment, quoi. C'est vraiment la même sauce, c'est la même chose à chaque fois. C'est bon, pas de dégâts. Allez, on rentre dans la jungle, on va le trouver, le bougre. Devenu fou, lui. Ce sont tes maudits rêves qui nous ont échoués ici, Kenway. Que je sois damné si je te laisse encore prendre une décision à ma place. Il est devenu pareil, lui. Discuter, Evan. Tu vas t'accrocher à cette folie. Folie? Dans quoi un homme qui cherche à survivre est devenu dingue. Un fou. Je te veux aucun mal, pauvre idiot. Réglons ça entre gentlemen. Ta casserie me donne mal au crâne. Va-t'en et laisse-moi vivre en paix. Il a sauté dans l'eau. Oh là là. Il est fou, le man. Hey, où es-tu? Là-bas, il court. Merci beaucoup, l'auteur. Merci pour le deuxième mois d'abonnement. Far Cry, c'est un peu comme un kebab. Il change la sauce, de pain, un peu la garniture, mais ça reste un kebab. Ouais, voilà, c'est ça. Mais est-ce que c'est des... Après, bon, un kebab, ça peut être bon, quoi, mais... Ah, t'as les kebabs berlinois, les kebabs plutôt qu'on nous connaît en France... Pareil, c'est pas pareil. Far Cry sauce blanche? Allez. Et lequel des Far Cry serait une sauce samouraï alors?
Le 3, on dirait. Un peu plus piquant avec le méchant. Merci beaucoup, Alice Foxy. Merci pour le 6ème mois aussi. Merci pour le soutien. T'avais dit de pas me suivre! Ren, tu perds la tête, mon vieux! C'est qu'une juste compensation! Moi, j'ai trouvé des mousquets et des grenades! Écoute-moi, Ven! On pourrait chasser avec ces armes! Excellente idée! Et il faut le tuer? Ok. Ah. Tu vas finir en petit morceau, Calouet! Mais c'est trop dur, wesh. Il recharge au moment où tu sors de ta cachette. Et du coup, t'as pas le temps d'aller à l'autre. Dur. Bah, c'est la fin. On est mort sur l'île à cause de l'autre. Non, mais... Oh, dans l'eau, c'est la galère. Oh non, mais... Oh, il a anticipé, le bâtard. Oh, le bat... J'ai eu deux bad timing horribles. Ouais, j'ai trollé de fou. Je vais te faire disparaître. Tu peux pas m'échapper, Kenway. Tiens! Je vais t'arracher les jambes! Allez! Ah, le bâtard! Il est parti où le bougre? Ouais, j'ai trop. En fait, je croyais qu'il tirait à partir du moment où tu sortais la tête. Du coup, en fait, non, c'est juste un timing très. Il tirait tout le temps le même timing, quoi. Si tu continues, je vais devoir te tuer, Ven. Eh bien, essaie, Vermine, je t'attends. Profitez pour dépecer. Désolé, hein, je dépece, j'en profite. Hop là. Il est où le malade mental là? Il est où le bougre? Vite pour être dépecé. C'est la mascotte du stade Rochelet, je suis abattu, désolé. Ah, c'est une panthère, non, la mascotte du stade Rochelet? Mais non. Pas trop d'originalité, hein, les gars. Panthère noire. Il est pas malade, il est juste sobre. C'est vrai que le fait qu'il soit juste sobre, ça le met mal en vrai. Solon. Solon, Bagheera, la panthère! Un seul de nous quittera cette île vivant, Edward! Parce que je refuse de naviguer dans un monde pourri par ta sale drogue! Ouais, alors, je pourrais y avoir un pirate comme, comme mascotte. Non, je sais pas. Tu vas finir en petit morceau, Galway! Je vais pas m'échapper, Kenway. Ah. Voilà, la boulette. Je vais t'envoyer en arrière. Je vais te faire disparaître. Aucune issue pour toi. Non, mais qu'est-ce que j'ai? Oh là. Ou alors peut-être. Je vais te faire disparaître.
Oh. T'es qu'un sale gibier de potence, Sven! Mauviette, t'es incapable de faire ce qu'il faut pour aller jusqu'au bout. Il veut qu'on le tue, quoi. Foutu pirate! Voilà ma récompense pour avoir cru à la bonté des hommes. Pour avoir pensé que le pire des racals pouvait se mettre à réfléchir au moins une fois dans sa vie. Peut-être. Cornigold avait raison. Peut-être que le monde a vraiment besoin d'hommes d'ambition pour empêcher les gens comme toi de nous conduire au chaos. Ou peut-être que t'as pas assez de cran pour vivre sans regret. Inutile de m'attendre aux portes de l'enfer, Charles. Je compte pas t'y rejoindre. Et un assassinat aérien contre Vayne. Ah, j'aurais peut-être dû passer par le haut. Ouais. On va parfait, on va pouvoir s'arrêter là pour aujourd'hui, du coup, après avoir fait cette session. Ah, bon, messieurs, dames, on s'est régalé, c'était cool. Je pense que je vais pas pousser plus loin. Au moins, ça finit une sorte, un peu un arc, on va dire, pour cette session là. Je vous dis, je vous laisse à 15h. Faut que j'aille voter aussi. Tout seul, comme ça. Faut que j'aille voter aussi, donc du coup, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Et puis voilà, en plus je suis bien fatigué après finalement le truc d'hier, donc écoutez, en vrai c'était trop bien. Je viens de racheter le jeu. Ah bah écoutez, je suis désolé, je vous ai fait racheter un jeu. Ubisoft quand même. Hein. J'aimais bien hein, ces petits bâtards. Bon, en tout cas c'était trop cool, merci beaucoup à vous d'avoir suivi le live, c'était vraiment trop bien. Merci encore une fois, c'était trop chouette de pouvoir partager, discuter avec vous bien sûr. On va aller raid le bon copain Pompon. On va aller raid Ponce et lui envoyer un maximum de cœur s'il vous plaît bien sûr pour ce live. Lui dire hey, bro. On envoie des fumiers, à Pompon. Des fumiers des cœurs bien sûr pour le copain Pompon. Et voilà, déjà fini. Ouais, parce que bon, j'ai des trucs à faire cet après-midi et puis bah, parce que un peu fatigué aussi d'hier, je peux pas vous le cacher. Mais c'était vraiment trop bien. Merci à vous d'avoir suivi le live aujourd'hui. C'était trop cool. Trop content d'avoir pu débriefer l'échappée, d'avoir pu un peu vous donner aussi notre version des faits, quand même, qu'est-ce qui s'est passé. Et puis aussi, bah, avoir pu continuer à avancer cette aventure sur Assassin's Creed. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, je relance le premier Assassin's Creed. Attention au Rito. Hein. C'est peut-être un peu plus vieilli que Valhalla. Mais vas-y, tu peux tenter. Qui ne tente rien à rien, de toute façon, bien sûr. Bon allez, des gros bisous tout le monde, à mardi pour le prochain live, demain pas de live puisque c'est lundi, le week-end, donc voilà. Allez, ciao tout le monde et à mardi, merci beaucoup, ciao.